Dans tous ces engagements, j'ai voulu également souligner le fait qu'il fallait retrouver un climat de sérénité et de respect au sein de la mairie. Alors voilà, nous sommes ici au cœur de cet établissement qui œuvre pour tous les services de tous les Carriérois, avec du personnel qui parfois se lève très très tôt pour rendre service ou se couche parfois tard. Tout ce personnel communal aujourd'hui est assez désœuvré. Désœuvré parce qu'ils se sont méprisés, parfois même harcelés, et leurs conditions de travail se sont vraiment dégradées. L'exemple le plus fort, c'est ce courrier qu'a adressé le représentant du syndicat majoritaire du personnel communal à tous les candidats, dans lequel, sur 10 points, ce sont uniquement le respect de la législation du travail. Il est quand même très surprenant que dans toutes les revendications qui soient faites, on ne demande qu'à respecter le cadre légal dans lequel on doit travailler. Ce devrait être déjà mis en œuvre. Alors le premier engagement que la liste aux carrières fait, déjà auprès de tout le personnel, c'est de redonner justement cette certitude que toute législation du travail sera respectée pour tous les services. Après, il faut aller au-delà. Ça devrait être normalement la mission première de tout maire et de tout élu dans une collectivité. Donc on souhaite aussi revenir sur tout ce qui est la qualification du personnel. J'ai rencontré beaucoup de membres qui voulaient une qualification, qui voulaient s'engager dans une formation pour améliorer leurs connaissances, pour améliorer leurs compétences et qui n'ont pas reçu de réponse positive de la collectivité. Donc là aussi, nous prendrons l'engagement d'accompagner tous ces efforts volontaires de qualification meilleure, de compétences encore plus fortes. Et enfin, j'ai été très surpris de voir à quel point on pouvait phagocyter l'initiative. Alors ça, pour moi, ça me touche profondément. C'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de se dire libérons l'initiative. Libérons aujourd'hui les employés communaux pour qu'ils puissent proposer des choses, pour qu'ils puissent être aussi initiateurs de tas d'actions.